Hey, c'est le tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Retour SSL. Le dernier coup, on avait un petit peu perdu, donc on se retrouve à 1600 tout pile. On va essayer de remonter tout ça, évidemment. Ouah. J'ai changé un petit peu la voiture, j'ai mis tout en noir aujourd'hui. Moi, de temps en temps, j'aime bien faire ça, en vrai. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que... Waouh. Ok, il nous a mis quand même un beau but, là. Là, il faut se le dire. Du coup, j'allais dire, sur la Fennec, j'ai toujours du mal à trouver des presets que j'aime bien. Bah, il nous met des beaux buts, le frérot, là. J'ai le droit de parler aussi, non? Je sais pas, le mec, il enchaîne les buts. Donc, en gros, à chaque fois que je trouve un preset joli sur la Fennec, j'ai tendance à tout le temps... Oh, le bâtard. J'ai tendance à tout le temps en avoir marre, en fait. Genre, au bout de quelques jours, je veux changer. Ça m'intéresse plus. Alors que Octane, tu vois, j'ai quelques presets, je vais jamais les changer. Et je vais les garder même si je vais switch, tu vois. Mais Fennec, j'arrive jamais à trouver un preset que j'aime bien. J'ai acheté plein de trucs e-sport et tout. Oh, il a raté. Ah, bon, excusez, mais c'est vrai que là... Là c'est dur. C'était assez open. Bon, c'est pas grave. En vrai, moi j'ai bien fait mon move. En ce moment je regarde des vidéos un peu pour progresser sur Valo. Ça m'a fait rappeler un peu le mindset qu'il faut avoir pour progresser sur un jeu. Et donc je vais la réadapter aussi à Rocket. Donc si ça intéresse des gens que j'en parle un petit peu, dites le moi. Que je fasse des trucs par rapport justement à la mentalité qu'il faut, etc. Je suis pas non plus un expert, mais j'ai quand même réussi à atteindre des hauts niveaux sur pas mal de jeux. Et bon, là, le prochain que j'attends, c'est Valo. Wouah. J'ai regardé la replay, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Ok. Oh, il a bump, nickel. Oh, c'est nul! Mon tir est pas fou. En fait, le problème là, c'est mon focus. Parce que je sais tirer mieux que ça, faut pas. Hop, non plus croire qu'un GC3 arrive à rater ça, tu vois. C'est juste que j'avais mon œil. Quoi? Quoi? Mais lâche-moi, toi. Ah, j'ai pas réussi à wave dash. Il m'a bum. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai regardé le mec surtout voir s'il me rushait ou pas. Parce qu'en fait, sur Rocket, c'est bien de savoir taper la balle, hein, mais il faut la taper là où le mec peut pas l'avoir, tu vois. Il faut s'adapter surtout à ce que fait le mec en face. Donc, avoir une bonne vision de jeu, c'est aussi regarder au bon endroit au bon moment, quoi. Prendre les bonnes informations et après les bonnes décisions. Ah, c'est bon, frère, il rush partout le mec. Moi j'ai pas besoin de risquer plus que ça, hein. Franchement il y a 4-1. On va pas non plus prendre des risques de fou. Hein. Non. Oh ça... Ouais, dommage. Mon 50 ici était pas très bon, j'avoue. J'aurais dû sauter largement plus tôt pour essayer vraiment de prendre un vrai 50. Parce que là, elle est partie en l'air et c'est trop dur à dégager. Faut se mentir. Pas grand chose à faire malheureusement. Il y a but. Ah, c'est bête. Le problème c'est que je me fasse démo juste là. Parce que je me fais pas démo, ma balle elle est pas nulle. Et le problème, ma balle devient nulle si en plus je me fais démo. D'ailleurs, il fallait que je la dégage à fond, tu vois. Mais si je peux garder le contrôle sans me faire démo, tu vois, c'est parfait. J'ai raté. Je la mets en l'air, mais... C'est double ça. Ouais. Hein. Assez dommage qu'on se fasse remonter là-dessus. Franchement, j'aurais pas trop expliqué pourquoi. Parce que même si mes plays c'est pas les plus fous, je donne pas des free buts forcément. Je l'ai mis tellement haute. Si elle était tellement moins haute, j'aurais pu tellement la mettre.
Ah, il cherche pas un bump. Ah bah lui il me cherche un bump, c'est con. C'est con qu'il me bump en vrai, parce que sinon j'avais une bonne balle. Ok. Il est où? Mais c'est chiant. Toutes les balles que j'essaye d'avoir, on me bump. Vraiment, j'ai été bump 10 fois là. C'est une folie. Encore bump. J'aurais pu double, hein, mais non, je suis bump. Ils font que bump les mecs, c'est une dinguerie, genre. Et il m'a pré-jump là-dessus? Ok. Bah les mecs en face, pour le coup, ils jouent plutôt bien. Y'a rien à dire, malgré les buts de chat qu'on a mis. Ils ont pas FF, ils jouent bien. Mais c'est... Ouais. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je pars en l'air, il y en a un qui pré-jump. Ah, c'est con que ça part sur lui. Avec un bon follow, ça passe. Ah, j'ai pas assez de boost. Ah, c'était sûr. Ok. Bah, vas-y, saute dessus. Ah, chef. T'avais juste à sauter, hein. C'est pour ça que je reste au sol, hein. Ah, c'est con qu'il leur envoie là-bas. Ah ouais, faut partir devant, chef. Ah, la game est bizarre en vrai. Ah, il aurait tellement pu avoir but comme il a pas follow mon turn. En fait, là-dessus, normalement, tu follow instant. Et c'est pour ça que ça me perturbe là. 1600, c'est un peu plus lent. Forcément. Faut que je m'adapte, hein, c'est tout. Ouais, pas mal, ouais. Un peu lent, mais ça passe. Ok. Bah, il m'a empêché de tirer. Dommage. Et pas dedans. Si. Ah, si. Ça faisait une écart rentrante, évidemment. Je le vois pas faire grand chose avec. Ok. Waouh. Je suis obligé de turn, c'est trop chiant. Ok, bah tout seul. Comme un grand. Dommage. C'était comme un gland. Ok, il y a un truc à faire peut-être. Ah ouais, j'ai pas trop aimé. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Il veut pas me laisser une seule balle en fait. C'est pas premier. Bon, la game elle est pas fameuse, hein. Je suis désolé la team, mais là, il n'y a aucune synergie entre nous deux, c'est un peu dur. Hein. Dommage. J'avais plutôt bien joué en vrai, c'était presque ce que je voulais faire. Donc. Ah, j'ai pas réussi à viser le but. Pas à moi de la prendre. Dommage qu'il n'arrive pas à me faire une passe là-dessus. Attendre de toute façon. Saute un peu tôt, mais écoute. Ah, j'ai raté en plus.
encore un open peut-être. Non, dommage. Il l'a pas vu. Ouais, heureusement que j'ai... Bah, je l'ai laissé parce que normalement il a le temps de l'avoir, non? C'est quoi ces rushs tout le temps que j'ai, genre? Gros, le mec fait que mes rushs. C'est chiant. C'est une folie, genre. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Là, hein. Dommage. Je l'aurais pas. Ah d'accord, il me bump. Eh ben, il en a fait des erreurs cette game. Dommage, un peu mérité. Et nous revoici pour la deuxième game. Bon là on est vraiment descendu, ça va commencer à être un peu plus low en termes de niveau. Mais bon ça va, les mecs en face n'ont pas l'air très bas comparé à avant, donc ça va. Comment dire que dire de la précédente game, on l'a menée du début à la fin, mais pour gagner une game il faut mettre plus de buts que le mec en face et tous les open ont été ratés. Malheureusement, donc à partir de ce moment-là, bah tu perds, hein, c'est normal. Y a aucune autre explication à dire. Hein. Les erreurs, c'est normal. Mais rater des open, c'est pas normal en fait. Donc en rater 2, 3 dans une game, bah ça te coûte la game. C'est tout, hein, y a rien d'autre à dire. Hein. T'inquiète. Encore un mec qui me rush. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois je faisais des bonnes passes. Mais à chaque fois que j'essayais de faire un truc solo play, bah le mec il m'a atomisé. Comme je me faisais tout le temps en rush, bah je pouvais rien faire individuellement. Et la balle qu'il récupérait, bah il se passait rien avec. C'est ça qui est con quoi. Ah il va retourner dessus. Hein. À côté. Chef. Chef! Bah là par contre c'est vraiment inacceptable. Hein. 1613, tu pars chercher du boost à l'opposé quand le mec a un setup. C'est très très grave. Hein. C'est vraiment c'est extrêmement grave. Hein. Moi je pourrais jump le hard dribble, tout ça. Qu'il arrive à passer sur la gauche tranquillement sans problème, c'est un peu honteux. Je doute beaucoup trop loin. Hein. Bah je suis avec un boosté. Hein. Pour le coup les gars. Là je peux pas limiter mes termes, hein. Y a rien d'autre à dire. Hein. Il a rien à faire ici. Hein. Je sais pas ce qu'il attend à chaque fois, mais c'est terrible. Fallait bien que ça arrive à un moment de toute façon. Donc on va pas vraiment le compter comme une game, je vais le laisser dans la vidéo je pense, mais en vite fait quoi. Mec vraiment prend 3 open, 3 décisions de merde. Bon, à partir de ce moment là, y a rien à faire. Hein. Si tu prends 3 buts en une minute tout seul. C'est assez ridicule. Et il s'est retrouvé en GC2 hein, quand même. Enfin bref. C'est le genre de trucs qui sont assez relous en vrai. Honnêtement, tilté pour des gens qui font... Enfin, genre ils peuvent rien faire honnêtement. Hein. Le mec est clairement pas à son niveau. Bah tout. Écoutez... Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'en faire pour ça? Ça fait chier, on perd une game. Ça fait chier, ça fait 2 games que je perds, je vais me retrouver en GC1. Bah tant pis. Tant pis, écoutez. Pour ça que tryhard ce jeu, faut vraiment être motivé, avoir un mental où soit jouer en duo en vrai. Parce que la solo queue, il y a que des gens assez bizarres. Pour avoir fait que ça en fait. Tout le temps que j'ai joué au jeu, j'ai fait que de la solo queue moi quasiment. En duo Q ça va, juste les games sont un peu plus durs évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de smurf tout ça, mais comme t'es avec un mec, en soi c'est plus sympa. Après il y a des jours où les gens sont bons en solo Q et des jours où ils sont pas trop. Aujourd'hui ça a pas l'air d'être le meilleur jour. Dommage. Normalement il peut défendre. On va juste attendre ici. Ok. Ouais. Tu l'as. Y a pas beaucoup d'interceptions en fait. Et là en fait sur ça, les mecs ils lâchent des balles qui vont pas toucher pendant 5 secondes.
si t'arrives à les choper, bah t'es tellement bien. Genre tu vois, c'est balles comme ça, hop. Tu les chopes en fait. Si là je vise le but, y'a but. Faut pas les laisser en fait. Y'a beaucoup de gens qui sont trop passifs sur ça. Et ça c'est une question d'observation et de prise d'information. C'est tout con hein, mais... Genre on laisse pas des mecs se faire des passes, on laisse pas des balles rebondir sur les murs sans les récupérer. Faut pas laisser la balle avancer gratuitement, tu vois. Si t'as la possibilité de la toucher, tu la touches. C'est tout, genre. Après, il faut juste que tu fasses une touche qui soit utile, hein, entre guillemets, quoi. Parce que dans tous les cas, ça mettra la pression. Les mecs, ils essayent de lire une balle, t'es là, tu la touches tout le temps, c'est chiant. Et après, plus ça va vite, plus ils vont être perdus et ils vont faire n'importe quoi. Ok, mais pas dedans, je crois. Ah si. Ah, le problème sur ce jeu, c'est ça en fait. C'est que là, la game va être facile. Enfin, normalement, s'il se passe pas de dinguerie, on va dire, entre guillemets. Genre, il se passe rien, je fais rien de fou, je joue normalement. Et on n'a pas l'impression que ce soit dur, ni qu'il y a des trolls ou quoi. Mais c'est le même niveau qu'avant, juste faut être avec la bonne personne en fait. Notre rôle, la synergie que tu peux avoir avec quelqu'un dépend de son style de jeu et. Et tu peux rien y faire quand t'es en solo queue. Quoi? Ah dommage, il a été trop vite. Ok, pas mal. Ouais, c'est osé hein. Faire des pinches, c'est quand t'es dans une situation très compliquée où vraiment juste t'as envie de dégager. Mais là on était dans son coin. On avait le contrôle de la balle, on a aucune raison de leur donner. Hein. Ça va gros, je peux éviter de te bump pour t'aider? C'est la même situation, je vais pas me jeter bêtement là. Faut pas rendre la balle gratuitement tout le temps. Bam, c'est même jamais en fait. Là, genre là, je l'ai rendu carrément, j'aurais jamais dû faire ça. Oh, c'est chiant. Ok, pas mal. Ah, elle a pas touché le plafond. Les gens anticipent trop ce que je fais, c'est chiant. Je me fais tout le temps pré-jump. C'est une dinguerie, genre. C'était évident, mais dans un sens, pas trop, quoi, tu vois. Ouais. C'est genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop facile de me pré-jump. Oh, dommage. En vrai, dommage. Ok, nickel. Bon, j'en ai relancé une. J'en fais souvent 3. Là, on en fera 4. Alors, on va dire que, bon, les premiers mois, assez frustrés pour me donner envie de me la donner un peu plus. Ok. Ouais. Je vais la mettre à gauche. Hein. Si je peux avoir le boost, ce serait génial. Ok. Et après jump ça? C'est fou. Les mecs sont chauds hein, en vrai. Hein. Ah le bump est chiant. Ok. Oh pas mal. Moche. Il y avait un truc mais... Quoi? Mais je peux pas en plus. Ah ouais gros, c'était quoi cette balle? C'est une folie. Elle était tellement rapide que j'ai pas pu la choper. Et je pouvais pas prédire qu'elle allait pas dans le but à cette distance. Ouais, je sais pas trop. D50 qui met bien, dommage. Ah faut y aller par contre, frère mon frère. Là il faut jouer là. Pas attendre comme ça. J'aime pas trop. Allez, vas-y. Dommage. Un peu lent. Quoi?
Lui il peut l'avoir mais pas moi. C'est quoi cette... cette arnaque. Ouais. Non, dommage. Il a pris le boost avant de prendre la balle, du coup, bah... voilà. Voilà où on en est. Erreur classique, en vrai. Ah, c'est but. Ouais. C'est le pire truc à faire dans ces moments-là. Juste vous montrer, en fait, de sa POV, bah hop, il a juste fait une passe au mec. Ça, ça va rien. Là, ce qu'il faut faire, c'est soit complètement la dégager, soit bump le mec. Tu peux pas juste faire une passe. T'as pas le droit, en fait. C'est bête, mais là-dessus, je peux rien faire, moi. Je me fais passer par mon allié. Honnêtement, je me fais passer par mon allié là-dessus. Il y a but, là? Waouh. Le mec, il lit tout ce que je fais, lui. Hein. Lui, il a pas l'air mauvais. Hein. Peut-être plus que 1600, mais... ah, il est trop chiant. Allez, chef. En fait, le truc, c'est que je suis obligé de mettre des buts tout seul. Ça, ça m'embête beaucoup, parce que sur ce jeu, c'est tellement plus facile de les mettre à deux. Ok, pas mal. Il a bien joué le bump, ça a mis de la pression. Ah, il a pris le shoot. Waouh. Ok, ok, pas mal. Beau tir en vrai. Elle rattrape pas mal ses erreurs. Je suis obligé de la toucher celle-là. Hein. On peut pas laisser une balle aussi facile. On va jouer un peu plus vite. Wouah. Il a une shot. Ça fait plaisir, on prend évidemment. Bon, j'ai raté mon kick-off, mais ça nous met, on va dire, un peu bien. Selon ce qu'il fait. Ça va, ça a l'air d'aller. Ça, ça va être chiant. Ok. Je vais tenter. J'aurais peut-être pu faire mieux, j'avoue. Mais j'avais peur que le mec derrière vienne me démo. Quoi? Pourquoi je suis démo là? Sérieux? Non mais vraiment? Je comprends pas pourquoi je suis démo là. C'est fou. C'est complètement fou. J'ai sauté par-dessus pour aller choper la balle. Peut-être qu'après, mais normalement il tape la balle, il ralentit, non? Ouais, un peu chiant. Elle est pas dedans. Oh! S'il te plaît! Nice! Let's go! Putain, je voulais trop la gagner celle-là. Ah, ça fait plaisir en vrai. Bon, on a rattrapé un petit peu nos games. Ça fait plaisir quand même de gagner la dernière. Comme quoi, on peut toujours remonter sans problème. 3-0, c'est vraiment rien du tout. À partir de 4-5, ça commence à être chiant. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!